Alors, le Festival de la photographie Marseille est une manifestation dédiée à la photographie contemporaine qui se passe à Marseille sur les 3 derniers mois de l'année. C'est un parcours dans la ville, dans une quinzaine de lieux, qui présente cette année près d'une centaine d'artistes. Donc, le festival propose principalement des expositions, mais également des rencontres avec les photographes, des conférences autour de la photographie, des présentations d'ouvrages aussi, beaucoup. Alors, il faut savoir qu'à Marseille, de nombreuses structures travaillent dans le champ de la photographie contemporaine à l'année. Le festival, c'est une manière festive et conviviale de les mettre en lumière autour d'un événement. C'est donc une programmation qui est construite avec l'ensemble des partenaires de la manifestation. L'idée, c'est de présenter la richesse et la diversité de la photographie actuelle. Alors, le festival a démarré fin septembre avec une exposition sur le football, photo-foot, avec une 12 visions décalées de l'univers du football. Donc ça, c'est le premier temps fort. À partir du 19 octobre, aura lieu le prix Maison Blanche. Donc, c'est le volet photographie émergente du festival. Ensuite, c'est assez nouveau cette année, c'est une exposition qui va avoir lieu à l'hôpital de la Timone, avec des photographies réalisées par des patients de psychiatrie. Nouveau partenaire du festival cette année, le MUCEM, avec l'exposition Roman Photo en décembre. Et l'invité d'honneur du festival, Geoffroy Mathieu, qui présentera une série inédite Matière noire à la Friche la Belle de Mai en décembre. Écoutez, je vous donne rendez-vous jusqu'au 21 janvier dans les lieux du festival pour de belles découvertes photographiques.